Alors, voyons des exercices sur les exponentielles de niveau première SP maths et terminale SP maths. Première SP maths, ce sera pendant l'année. Et terminale SP maths, on fait ça généralement en septembre. Donc, calculer et dériver des fonctions suivantes. J'ai f de x qui est égal à 2 exponentielle 2x plus 4. Je vais rappeler les formules. La dérivée d'exponentielle u, lorsque je dérive, ça donne u' exponentielle u. Donc c'est parti, on dérive. Donc le 2, je dois absolument le garder. Ensuite, j'ai je dérive exponentielle 2x, la forme u' de u. Donc dérivée de 2x, ça donne 2. Et je récris l'exponentielle, on touche jamais à la puissance d'une exponentielle. La dérivée de 4, c'est 0. 2 fois 2, 4, exponentielle 2x. Voilà la première dérivée. Deuxième fonction, f de x est égal à 5 sur x plus x sur 5. On rappelle les formules. La dérivée de 1 sur x sera moins 1 sur x au carré. Petite variante, dérivée de k sur x sera moins k sur x au carré. Et on va devoir utiliser la formule k fois x qui me donne k. C'est parti, je dérive. 5 sur x, donc on est sur du k sur x, donc ça fait moins 5 sur x au carré, plus x sur 5, on est du sur k fois x, alors faut bien voir le k sous la forme 1 cinquième fois x. Je vais l'écrire ici. 1 cinquième fois x. Ça c'est pareil. Donc il reste 1 cinquième. Je pourrais mettre sur le même dénominateur. Multiplie par 5, moins 25, 5x carré, je multiplie par x carré, plus x carré. Voilà notre dérivée. Petit c. F de x est égal à 2x plus 4 sur 5 moins x. F prime de x. Alors, je rappelle la formule. On est sur le cas où on est sur la forme u sur v. Donc ça me fait u prime v moins v prime u sur v carré. Dès que le u, le v, dès que le numérateur et dénominateur contiennent du x, on part sur du u sur v, hein, attention. C'est ça que si je suis pas parti sur u sur v, hein, ni là. Parce que là, le numérateur il a pas de x et là, le dénominateur il a pas de x. Alors, u', c'est la dérivée de 2x plus 4, ça fait 2. Fois v, 5 moins x, on pense à mettre des parenthèses. Dès qu'on a plusieurs éléments dans les lettres U, V, V et U. Moins V, V c'est dérivé de 5 moins X, ça fait moins 1. Attention, on ne fait pas avoir au signe. Fois U, 2X plus 4. Sur V carré, 5 moins X, le tout au carré. 2 fois 5, 10.
moins 2x. Moins fois moins 1, 2x, ça nous fait moins fois moins plus. 1 fois 2, 2x. Donc plus 2x, moins fois moins plus. 1 fois 4, 4 plus 4. Sur 5 moins x, le tout carré, je ne développe pas le bar. Je réduis le haut, donc les x ils s'annulent, moins 2x plus 2x ça s'annule, donc 10 plus 4, 14 sur 5 moins x, le tout au carré. Partie 2. Résoudre les équations ou inéquations suivantes. Exponentielle 2x moins 5 sera supérieure à exponentielle moins 2x plus 3. Ok. Donc on rappelle les propriétés. Exponentielle de a supérieure à exponentielle de b, ça fait a supérieur à b. Donc là, c'est parti. Bah, ça fait 2x moins 5 supérieur à moins 2x plus 3. On met les x du même côté. Le moins 2x devient plus, plus 2x supérieur. Le moins 5 qui passe en plus 5. Donc 3 plus 5. Ça me fait 4x supérieur à 8. X supérieur à 8 sur 4. X supérieur, 8 divisé par 4, 2. On n'oublie pas d'écrire S égale tout ce qui est supérieur à 2, et je ne prends pas 2, plus l'infini. Petit b. 5 exponentielle x moins 5 supérieur à 0. Donc là, je vais essayer d'avoir l'exponentielle tout seul. Exponentielle x supérieur à 5, le moins 5 qui passe à droite, c'est bien plus 5. Pour supprimer le fois 5, je dois diviser par 5. Donc comme je divise par un nombre positif, je ne change pas le sens, ça fait 5 sur 5. E de x supérieur à 1. Ah. Donc là, notre cours nous dit que si e de x, e de a supérieur à 1, il faut transformer le 1 en e de 0, et ensuite a supérieur à 0. Ça nous fait e de x supérieur à e de 0, x supérieur à 0, s égale tout supérieur à 0, je ne prends pas 0, juste l'infini. Petit c, e de x au carré plus 2 est égal à e de 2x sur e. Alors je vais pouvoir utiliser une propriété des exponentielles. E de a sur e de b est égal à e de a moins b. Ça me fait, donc l'exponentielle, si on la voit toute seule, c'est comme si c'était exponentielle 1. Donc ça fait e de 2x moins 1. Parce que là, c'est comme si j'avais un 1. Et là, je réutilise la propriété. E de a égale à e de b, ça fait a égale b. Donc du coup, j'ai le droit d'écrire x au carré plus 2 est égal à 2x moins 1. On met tout à gauche, x au carré moins 2x plus 2 plus 1, ça fait plus 3, égale à 0. Et là, on va devoir faire un delta. Donc, a égale 1, b égale moins 2, c égale 3.
Donc b carré moins 4 ac, moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Ça fait du coup 4 moins 12. 4 moins 12, moins 8. Le delta est négatif, pas de solution. Ça se complique. Alors, petit dé. Plus exponentielle 7x moins 5 égale 0. Donc exponentielle 7x moins 5 égale à moins 3. Ah là c'est cool, il faut avoir le réflexe. Notre cours nous dit que l'exponentielle de x est toujours supérieure à 0. Donc si on arrive à un expo égal à un nombre négatif ou 0, et ben là c'est simple, on écrit impossible. Car l'exponentielle de x est toujours supérieure à 0. Petit e. Donc là on a ce qu'on appelle une équation produit. Donc une équation produit est nulle si l'un des facteurs est nul. Premier facteur, moins 5 moins x égale 0. Ou deuxième facteur, e de x moins e égale à 0. Bah là, il nous faut x tout seul, hein. X est égal à moins 5. Et ici, bah, on met l'exponentielle de l'autre côté, ça fait e. On n'oublie pas que c'est, quand on voit l'exponentielle toute seule, c'est comme si c'était e de 1. Donc ça fait x égale 1. Donc s égale, dans l'ordre croissant, moins 5, 1. Alors, exercice 3. Enfin, question 3. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égale. F de x est égal à x moins 1 sur e de x. Alors, vrai ou faux, la dérivée est égale à ça. Bon, bah, dérivons. On est de la forme u sur v. U prime V moins V prime U sur V carré. C'est parti. F prime de X sera égal alors U prime. U prime, je dérive le haut, le numérateur, ça fait 1. Fois V. V c'est exponentielle X. Moins V prime, c'est la dérivée d'exponentielle X. Ça donne exponentielle X. À connaître par cœur, ça aussi. E de X, lorsque je le dérive, ça fait E de X. U. Donc attention, le U est composé de plusieurs éléments, je prends sous parenthèse, V carré, E de X, le tout au carré. Voilà, quelque chose qui peut se faire, c'est simplifier les exponentielles. Comme ça, ça supprime le carré en bas. Donc il me reste 1 moins X, attention, moins, je développe, moins moins plus 1 sur E de X, donc ça me fait moins X sur E de X. Voilà la dérivée. Alors du coup, d'après ce que nous disait l'énoncé, non. Donc c'est faux. Question 4. Soit f la fonction définie sur R par f de x. Donc f de x est égal à 4 plus 2x exponentielle x. Montrer que f est croissante sur moins 1 plus infini. Alors pour montrer qu'une fonction. Montrer que f est croissante. Pour montrer qu'une fonction est croissante, et bien il faut
faire une dérivée et un tableau de variation. D'abord, on dérive f' de x. Dérivée de 4, ça fait 0. Alors, attention, piège. Ici, on a du u fois v1. Hein. Je ne veux pas avoir. Donc, la dérivée de v, u'v plus v'u. Donc, u', la dérivée de u, ça fait 2 fois v exponentielle x plus v prime exponentielle x fois u 2x. On peut factoriser par exponentielle x, ça fait 2 plus 2x. Voilà la dérivée. Je vais faire le signe. Bon, le signe d'une exponentielle, c'est toujours positif. Donc f prime dépend du signe de 2 plus 2x. 2 plus 2x égale à 0. Ça fait x égale à moins 2 sur 2. Donc ce de là devient moins 2. Ce de là divise par 2. Ça fait moins 1. Ah, c'est le moins 1 qu'on trouve là-haut. Ils ont donné dans le domaine de définition. Donc nous, notre domaine, c'est moins 1 plus l'infini. On a f prime. F de x. On sait que ça s'annule en moins 1. On sait que ça dépend du signe de 2 plus 2x. Le signe de x après le 0, positif. La fonction est donc croissante.